Le prince Philippe a pris des mesures contre les photographes pour profiter de sa dernière nuit de liberté avec ses amis et son oncle au célèbre hôtel de Londres. Le prince Philippe et ses amis ont veillé à ce que leur vie privée soit protégée lors de son enterrement de vie de garçon en brisant les appareils photo des photographes, pour éviter que des manigances ne soient capturées par la presse à l'approche de son mariage avec la reine. Le regretté duc d'Édimbourg avait joui à l'hôtel Dorchester avant d'épouser la femme la plus importante du monde en 1947. Les experts royaux ont discuté du désir d'intimité du prince et de l'importance du célèbre hôtel Dorchester dans les cercles royaux. Caroline Frost a déclaré : Le prince Philippe a fait faire son serre là-bas, alors il est sur le point d'épouser la femme la plus importante du monde et c'est là qu'il va pour sa dernière nuit de liberté, on pourrait le dire. L'expert royal Victoria Howard a déclaré à Channel 5 : Ils ont invité certaines des caméras à voir Philippe et ses amis, y compris son oncle Louis Mountbatten, prendre un verre et s'amuser, et ceux-ci ont ensuite été publiés. Toujours conscient de la perception du public et étant également un particulier, Philippe et ses amis ont ensuite retiré les appareils photo des photographes et ont dit « Nous prendrons votre photo ». D'autres photos de toutes les manigances qui ont eu lieu cette nuit-là. Le prince Philippe et la princesse Elisabeth de l'époque ont annoncé leur fiançailles le 9 juillet 1947. Le couple s'était secrètement fiancé en 1946, mais le père de la reine, le roi George VI, leur avait demandé d'attendre le 21e anniversaire de sa fille en avril. La princesse Elisabeth avait rencontré son futur mari lors d'une visite du Royal Naval College de Dartmouth en 1939, où il l'avait chaperonnée, elle et sa sœur, la princesse Margaret. Elle n'avait que 13 ans mais aurait été immédiatement emmenée par l'officier de marine. Ils ont commencé à échanger des lettres et ont continué à correspondre pendant le temps de service de Philippe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'oncle du prince Philippe et un ami proche de la famille royale, Lord Mountbatten, avait aidé à organiser le match et était présent à l'enterrement de vie de garçon de son neveu.